Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, comme de coutume, nous sommes encore là. C'est dimanche pour revenir sur le sujet précédent qui était le dimanche passé. Parce que j'ai vu qu'il y a de nombreuses personnes qui n'avaient pas pu poser des questions. Donc je vais faire rapidement un résumé succinct du sujet passé et ensuite je vais vous laisser poser vos questions et vous pouvez poser toutes sortes de questions. Je suis à votre disposition et comme je l'ai tous les jours, un esprit sain dans un corps sain. Et pour moi, la seule manière de matérialiser cela, c'est de vous permettre de poser des questions sur tous les sujets. Mais principalement sur la dépression qui est le sujet, qui était le sujet du dimanche dernier. Donc sur ce, si vous êtes prêts, dites-moi, parce que je vous laisse vous installer. Là, je vois sur le Mouadou, allez, sur le Mouadou. Il nous a collé. Porte-toi bien, il nous a collé. Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Si le son est bon, dites-moi oui, le son est bon. Envoyez-moi un pouce, dites-moi que le son est bon. Envoyez-moi un pouce, dites-moi que le son est bon. Est-ce que le son est bon? David Wadala, le son est bon? David Wadala, est-ce que le son est bon? Fais-moi un pouce que le son est bon. Ouais, Yoboué, le son est bon? Est-ce que le son est bon? Ok. Si le son est bon, on va décoller. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore arrivées. Motivation.
Ouais, Dominique Kofi, merci, merci. Je vois. Jacquité. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir Dominique, bonsoir. Domi, bonsoir. Ok, donc je pense que on a écouté un peu de musique. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Ceux qui ne sont pas encore prêts, j'estime qu'ils seront prêts très bientôt et ils vont nous prendre en marche. Parce qu'à vouloir attendre tout le monde, on risque de ne pas commencer ce pourquoi nous sommes là. Donc la semaine dernière, comme on a vu comment surmonter la dépression. Ok? Donc, comment j'avais développé la thématique? Bon, avant de développer la thématique, vous allez me laisser d'abord faire un bref résumé du sujet. Lorsque j'aurai fini de faire le résumé du sujet, vous aurez tout le temps de poser des questions. Et les questions déjà peut-être préparées, mais vous aurez tout le temps de poser des questions. Et après cela, je pense qu'on va pouvoir discuter, on va interagir ensemble parce que ici, sachez que ce n'est pas la parole n'est pas monopolisée. La parole est donnée à tout le monde pour que chacun puisse parler. Donc, comment ça va se passer? D'abord, on va revenir sur la définition de la dépression. Ensuite, les différentes formes de dépression que certains ne savent pas. Les facteurs déclencheurs d'une dépression. Et puis, les conséquences de la dépression sur la famille, au plan familial, social, professionnel et même sur le plan de la santé. Et enfin, les différentes techniques, comment faire en sorte de pouvoir arriver à tenir, à surmonter cette dépression que vous vivez chez vous à la maison ou de façon solitaire. Donc, comme je l'ai dit, nous allons passer maintenant rapidement à la définition de la dépression. Ok? Nous allons passer à la définition de la dépression. Donc, comprenez une chose, c'est que la dépression, ce n'est pas une fatalité. La dépression, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde trouve que ce n'est pas une maladie, mais bien au contraire, c'est une maladie qui se caractérise par la tristesse, quand on voit des gens qui sont d'habitude, qui ne sont pas tristes, qui bougent, qui sont extravertis, et puis du coup, vous les voyez introvertis. Ils sont dans un sentiment de désespoir, ils se dévalorisent, ils ont une humeur qui n'est pas toujours ça, il y a une perte de motivation, ils ne vont plus au sport, ils partent au sport, ils ne vont plus au sport, ils ne veulent plus rien faire, ils ne prennent plus plaisir, en fait, à vivre leur vie. Et ça, cette forme, et ça, c'est grave parce que ça entraîne quoi? Ça entraîne que nous ayons des pensées morbides. Ça veut dire quoi? Des pensées négatives, des pensées suicidaires. On a l'impression qu'on n'a aucune valeur dans la société, on ne se considère plus comme un individu. Et puis, quand les symptômes deviennent de plus en plus graves, on va parler maintenant de dépression. Modéré, on parle de dépression légère, on parle de dépression majeure qui est la forme grave, ok? Et de la forme grave, on peut passer à la folie, donc ça devient la forme chronique. Donc, sachez aussi que les cas les plus graves peuvent conduire au suicide, ok? Peuvent conduire au suicide. Donc, comme je l'ai dit, les différentes formes, c'est juste un rappel. Nous avons le trouble dysthymique, ça veut dire quoi? Un dysfonctionnement de l'humeur qui agit sur le mental et qui vous permet d'être dépressif. Nous avons le trouble dépressif qui est non spécifique. Nous avons les troubles bipolaires
les troubles bipolaires, auparavant, étaient qualifiés de troubles maniaco-dépressifs. OK? Mais aujourd'hui, les termes ont changé. On appelle simplement troubles bipolaires. Voilà. Donc, les troubles bipolaires, sachez que c'est des formes chroniques. C'est des formes chroniques de l'humeur, de la dépression de l'humeur qui agit sur l'individu que nous sommes. Nous avons aussi des dépressions saisonnières. Ça veut dire quoi? Cette dépression, la personne peut de temps à autre changer d'humeur. Oui, la personne peut changer d'humeur de temps à autre, mais ça ne dure pas en général plus de 2 mois, 2 semaines, 1 semaine. Il y a des gens comme ça. On dit qu'ils sont. C'est des gens qui sont, versatiles en fait. Voilà, aujourd'hui ils sont contents, demain ils ne sont pas contents. Voilà, ça c'est la dépression des saisonnières. Maintenant, on a la dépression post-partum. Oui, la dépression post-partum, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que les femmes aujourd'hui, après l'accouchement, environ 2 semaines, pourquoi pas 1 mois après l'accouchement, elles développent en elles cette forme de dépression-là. C'était dû à quoi? Au stress de l'enfant. L'enfant est né, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il pleure la nuit? Il réveille? Et ça, c'est une forme de dépression que la mère, si elle ne fait pas attention, elle peut garder tout le long de tout le restant de sa vie. Ok? Maintenant, les facteurs déclencheurs. Vous savez, nous sommes. Je vais parler dans notre paradigme. Parce que vous avez l'Occident, vous avez l'Asie, vous avez l'Afrique, qui est le paradigme à nous. Et selon la grille de lecture que nous faisons de notre paradigme, les troubles, les facteurs déclencheurs de la dépression peuvent varier d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'une religion à un autre. Mais sachez que les facteurs qui déclenchent en général la dépression, en général, sont pareils. Okay? Donc nous avons par exemple des problèmes de perturbations hormonales. Il y a certaines femmes qui ne savaient pas que la prise de pilules, par exemple, des pilules contraceptives pouvaient contracter pouvait nous amener à être dépressif. Et puis aussi les mauvaises habitudes. Oui, il faut qu'on se dise la vérité, nous avons beaucoup de mauvaises habitudes et nos mauvaises habitudes influent négativement sur nous. C'est quoi les mauvaises habitudes? C'est le tabagisme, on est accro à la cigarette, c'est l'alcoolisme, on est accro à l'alcool. Voilà, ça, tant qu'on n'a pas bu 3 verres ou bien on n'a pas bu un casier d'alcool, on n'est pas satisfait. Il y a des gens, par exemple, qui sont accros aux jeux interactifs tels que les jeux vidéo. Ils sont accros. Il y a des gens qui sont accros à la télévision. Il y a des gens qui sont accros aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a Internet. Il y en a qui sont accros à ça. Donc, c'est des habitudes que nous créons de temps à autre. Ensuite, les conditions de vie. Quelqu'un qui vit dans des conditions précaires, vous n'allez pas me dire qu'il va avoir forcément la même vision des choses que celui qui vit dans l'aisance. Lui, il vit dans le stress quotidien. Comment faire pour nourrir sa famille? Comment faire pour payer son logement? Comment faire pour nourrir sa famille, mettre ses enfants à l'école? Donc vraiment, c'est des choses qui agissent psychologiquement sur la personne. Et puis nous avons le travail. L'accumulation de stress au travail peut mener à l'épuisement et créer toutes sortes de dépressions. Et la dépression, sachez que vraiment, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ok? Donc, comme je l'ai dit, pour les questions, vous attendez, on va venir rapidement aux questions après. Voilà, on va venir rapidement aux questions. Je vois Taoré Kakariga déjà, bonsoir à toi. Voilà, Diabité, bonsoir à toi.
Désordre. Ok. Donc, toujours dans les facteurs déclencheurs, nous avons la fatigue, il y a des gens qui ne dorment pas suffisamment, qui ont un manque d'énergie, qui ont un manque d'appétit. Et puis aussi, ce qui est le plus grave, c'est vraiment la perte d'un proche. On perd un proche qui nous est vraiment cher. Vraiment, ça a un tel impact sur notre mental. Un mariage mal goupillé, à la fin, le résultat, c'est le divorce. Et le divorce, c'est la psychologie des enfants que ça atteint. Voilà, les enfants sont atteints psychologiquement, soit c'est la femme qui devient dépressive, ou soit c'est l'homme qui devient dépressif, mais sachez que c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte dans votre bien-être. Il y a aussi des gens qui sont toujours anxieux, qui ne pensent qu'aux mauvaises choses. Même quand ils dorment la nuit, ils pensent à tout ce qui est mauvais. Ils sont irritables, ils s'énervent vite, ils sont... Il y a des gens aussi qui ont un surpoids, ils ont peur de leur surpoids, ils ont honte. Voilà, donc ça fait que... Il y a des gens aussi, quand ils perdent leur emploi, c'est normal. Ils se demandent comment ils vont faire pour tenir les debout. Même quand ils n'ont pas d'emploi, ils se demandent comment ils vont tenir debout. Et tout ça, ça a un impact dans la famille. Ça agit sur l'homme, ça crée ce qu'on appelle l'impuissance au niveau de l'homme, et ce qu'on appelle, ça peut créer même la stérilité au niveau de la femme. Et il y a aussi les harcèlements, ça peut être l'harcèlement sexuel, et même les émotions. Nos émotions, comme je l'ai toujours dit, nos émotions, ce sont les choses qui nous gouvernent. Voilà, nos émotions, nous avons la peur, nous avons la joie, nous avons la tristesse, nous avons tout ce qui peut nous rendre heureux. Tout ça, c'est émotif. Et donc, comme on le dit, the emotions are our bodyguard. Ça veut dire quoi? C'est juste en anglais, mais ça veut dire quoi? Nos émotions sont nos gardes du corps. Si on n'interagit pas avec nos émotions, on va se laisser aller et on va commettre des actes qui vont peut-être nous détruire carrément la vie. Donc comme je le disais, comme traumatisme aussi, il faut comprendre les crises, les guerres civiles, quelqu'un qui sort d'un accident, il est traumatisé, il a vu ses amis mourir, lui il est en vie, il est traumatisé. Quelqu'un à qui on fait confiance, on construit, on bâtit quelque chose, une entreprise, on lui fait confiance, on met tout dans sa main, on lui fait confiance. Et puis cette personne-là vous déçoit à la dernière minute. Tout ça, ça peut avoir un impact négatif sur vous en tant qu'homme et femme. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, lorsque vous êtes battu, vraiment, vous avez un traumatisme psychologique sur vous, et ça, c'est à long terme. Les conséquences, comme je l'ai dit, au niveau de la dépression, il y a des conséquences. Indubitablement, ça induit des conséquences. Et les conséquences, nous avons le dysfonctionnement familial, parce qu'au sein de la famille, il n'y a plus de famille. Voilà. Le père, il est ailleurs, la maman, elle est ailleurs, les enfants, chacun est dans sa bulle, quoi. Vous voyez, chacun crée sa bulle, et puis après, on a un burn-out qui devient après quelque chose de dangereux pour tout le monde. On a l'environnement familial qui devient pathogène. L'environnement familial ne doit pas être pathogène pour nous. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être un facteur de malaise. L'environnement familial doit être un environnement de bonheur où on se retrouve, où on est à l'aise. Et puis la famille, c'est la guérison, la famille, c'est vraiment l'union, c'est ce que tout le monde recherche. Donc en tout cas, comme conséquence, vous avez, comme je l'ai dit, la baisse des libido, les violences conjugales, ça vraiment c'est la pire des choses sous nos tropiques. Vous voyez, les violences dans le foyer. Et ça, c'est des choses vraiment, je pense que nous les hommes, vous les femmes, parce que ce n'est pas seulement les hommes qui sont battus, ce n'est pas seulement les femmes qui sont battues, mais les 80% des gens qui vivent, des personnes qui vivent des violences conjugales, c'est les femmes. Donc nous les hommes, je me mets dedans parce que je suis un homme. Donc je ne suis pas en dehors mais faisons attention, parce qu'on peut battre une femme. Souvent même
même devant les enfants, vous voulez que ces enfants-là gardent quoi? Gardent quelle image de ses parents? Vous voulez qu'ils grandissent avec quoi? Voilà les impacts de la dépression que vous pouvez créer sans vous en rendre compte. Ça peut impacter la psychose de vos enfants. Et ça, c'est à long terme. Ils grandissent avec et vraiment, voilà. Et qu'est-ce que ça entraîne, le divorce, les troubles psychiques chez les enfants, comme je l'ai dit. Et vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas à conseiller. Dans nos relations sociales, sachez que quelqu'un qui est dépressif, il est toujours isolé, il a le sentiment de ne pas être aimé par les autres, il a le sentiment de... Il se dévalorise lui-même, il s'isole progressivement, il a des pensées négatives, il a une vision pessimiste de la vie. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il a des idées suicidaires. Il a envie de se tuer, il a envie de partir de ce monde. Donc vous comprenez que c'est des choses très dangereuses. Au milieu professionnel, au travail, la dépression agit au travail. Vous voyez quelqu'un avant qui était fougueux, mais du jour au lendemain, qui devient, qui la productivité a baissé, il n'a plus un bon rendement, il est toujours en conflit avec soit ses chefs hiérarchiques, ou soit avec lui-même ses propres collègues. Il a un trouble mental, il agresse tout le monde, il harcèle même tout le monde, il est vraiment incompris, et donc quand c'est comme ça, il se laisse aller. Ensuite, maintenant, il faut savoir que la dépression, oui, cette partie-là, comme je l'ai dit, c'est un résumé, parce qu'il y a des gens qui savent, le dimanche dernier, ils n'ont pas suivi. Mais sachez que la dépression a un impact colossal, pour ne pas dire, sur notre santé. Oui, la dépression, comme je l'ai dit au départ, c'est une maladie à part entière. Mais de nombreuses études ont montré que la dépression joue un rôle dans l'apparition du développement de nombreuses maladies dont nous sommes sujets. Ces maladies, d'abord nous avons les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qui agissent sur notre mental, souvent dues à la fatigue chronique parce qu'on n'arrive pas à se reposer, des gens qui travaillent la nuit, des gens qui n'ont jamais de repos parce que la journée ne se repose pas en général. Tu dors une heure de temps, alors que le corps humain, on dit qu'il faut dormir au moins 6 heures, minimum 6 heures, voire 8 heures. Oui, sinon 6 heures c'est bon, mais voire 8 heures. Mais quand tu travailles toute une nuit, tous les jours tu travailles la nuit, tu peux te reposer comment? Donc ça a des troubles, ça provoque des troubles musculo-squelettiques. Oui, parce que ça agit sur notre organisme. On ne dort pas la nuit, le matin on ne peut pas se réveiller en bonne santé. Ça agit sur nos articulations, ça agit sur nos gastro-intestinaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ouais, quelqu'un du jour au lendemain, il développe une maladie qu'on appelle généralement chez nous ici ulcère. Il devient ulcéreux. Mais c'est pas tombé du ciel. Mais c'est les pensées négatives qui créent ça. Et je le dis, tant que vous allez penser négativement, tant que vous allez rester dans ces pensées-là, vous n'allez jamais retrouver la santé. Et je vous le dis aussi, même dans les couples, ça crée ce qu'on appelle le trouble sexuel. Oui, la femme, elle n'est plus apte à vous satisfaire parce que mentalement, ça ne va pas. L'homme, ça ne va pas. Il ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Donc vraiment, ça crée aussi des problèmes. Toujours sur le plan santé, sachez que la dépression est à la base des maladies cardiovasculaires. Oui, dites les maladies du cœur. Les maladies du cœur, dans la majorité des cas, je n'ai pas dit que c'est forcément la dépression, mais je dis dans la majorité des cas, la dépression a un impact négatif sur le cœur. D'où les maladies cardiovasculaires, les AVC et les infarctus. Oui, les infarctus, ce qu'on appelle myo-infarctus, carotus, infarctus, tout ça. C'est des maladies qui entraînent une défaillance cardiaque
et à tout moment pour tomber. Il y a aussi ce qu'on appelle les angines de poitrine. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle les angines de poitrine. Et tout ça, c'est dû à la dépression. Les angines de poitrine agissent un peu comme les gastro-intestinaux, c'est-à-dire comme les ulcères. Okay? Mais pire encore, sachez que vous avez ce qu'on appelle le diabète. Oui, le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui est développée en majorité, dans la majorité des cas. En tout cas, dans les 80% des personnes que moi je connais, ils ont été atteints du diabète tout simplement à cause de la dépression. Ils ont un poids massif sur leur esprit. Ils ne veulent pas s'en détacher. Ils ne font que réfléchir. Ils ne font que penser aux nouvelles choses. Et ça développe le taux de glycémie. Ça augmente le taux de glycémie au niveau de l'organisme. Et ça, lorsque le taux de glycémie augmente, vous devenez un sujet diabétique qu'il faut suivre de près. Et aussi, ça induit aussi les problèmes d'hygiène de vie. Il y a des gens qui n'ont pas d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ce n'est pas se laver, ça bien s'habiller. Ce n'est pas ça l'hygiène de vie. Mais l'hygiène de vie, c'est faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme, tout ce qui rentre dans notre organisme. C'est ça l'hygiène de vie. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on bouge. Voilà, ça n'est pas de manger tout ce qu'on veut. Non, on peut manger tout ce qu'on veut, mais à condition d'être sain dans le corps. Sain dans le corps, c'est faire du sport. Les maladies infectieuses, oui, sont aussi vraiment des facteurs de développement de dépression, de la maladie dépressive, telle que le VIH. Lorsqu'on vous annonce que vous avez le VIH, quelle est votre réaction? Tout de suite, vous pensez à quoi? À la mort. Lorsqu'on vous annonce que vous avez une hépatite B, chronique, pour ceux qui savent ce que c'est, vous êtes mort. Mais quand c'est détecté tôt, on peut soigner. Mais si vous ne dites pas, si vous ne faites pas de bilan, si vous ne faites rien, on ne saura jamais. Donc, pour résumer, comment surmonter tout ça? Comment surmonter tous ces problèmes-là? C'est pas compliqué. Ça dépend soit de sa santé. Comme je viens de avoir une hygiène de vie, prendre soin de sa santé, c'est-à-dire faire du sport, beaucoup de sport, avoir une bonne alimentation, c'est pas manger du poulet braisé, c'est pas manger du poisson braisé, c'est pas manger je sais quoi, mais c'est avoir une alimentation assez équilibrée, pas trop quantitatif, pas trop quelque chose d'équilibré, et puis aussi vraiment dormir beaucoup. Parce que le sommeil, le corps a besoin de sommeil. Et buvez beaucoup d'eau. Énormément d'eau, parce que l'eau, c'est source de vie et l'eau soigne. Maintenant, sachez aussi, vous devez vous poser la question de savoir quelle est votre mission sur cette terre, quelle est votre mission. Pourquoi je suis fait? Pourquoi Dieu m'a fait? Comment éviter? Oui, de perdre du poids, parce que les gens qui sont dépressifs, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont une masse de graisse qui va au-delà de la normale. Et ensuite, avoir des visions dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux être? Quel sens je peux donner à ma vie? Et puis, travailler stratégiquement. On ne peut pas tout faire en même temps. Confier des tâches à d'autres personnes. Vous comprenez? Ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre d'être plus équilibré et ça va vous permettre d'être plus efficace. Donc, c'est l'efficacité qu'on recherche. C'est... Voilà, et puis maintenant, la dernière chose, c'est vraiment filtrer les bonnes personnes de votre vie. Oui, filtrer les personnes de votre vie. On ne suit pas quelqu'un parce que c'est mon ami d'enfance, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, mais s'il n'est pas positif, dégagez le devant de vous et puis avancez. Parce que vous avez un objectif. Lui n'a pas d'objectif, lui vit, il suit les autres. La vie n'est pas faite pour suivre les autres. Prenez des décisions draconiennes. Soyez exigeants envers vous-même.
Oui, ne laissez pas les gens décider à votre place. Décidez à votre place. Décidez vous-même. Ok? Donc, supprimez de votre vocabulaire. Plus tard, peut-être, les candidats, supprimez ça de votre vocabulaire. Et puis, je vous dis tous les jours, je vous l'ai dit, une personne qui ne prend pas 15, 10, voire non, 15 c'est tout, 10, 15, voire 20 minutes dans sa journée pour se poser les bonnes questions, cette personne-là est à craindre. Parce qu'il faut faire son auto-autopsie. On parle d'autopsie, pas de mort. Moi, je ne parle pas de mort aussi. Mais son autobiographie de la journée. Si vous pouvez le faire le matin, on peut faire le soir, descendre du boulot. Je m'assois 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je me suis fixé les objectifs? Demain, si jamais demain me trouve, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez avoir un planning. Vous devez avoir un plan de conduite de votre vie. Parce que votre vie se construit. Vous construisez quelque chose. Ensuite, encouragez la créativité de façon continuelle et surtout en dehors de votre travail. Priorisez vos relations personnelles aussi. C'est vrai, c'est pas parce que quelqu'un, votre ami est mauvais que vous allez banaliser tout le monde. Non, les relations humaines, c'est important. Mais soyez avec des gens positifs, des gens qui n'ont pas des pensées noires, des gens qui, par exemple, êtes en couple avec une femme et puis elle voit un appel d'une autre femme. Du coup, elle se met en tête que voilà, ça c'est un mauvais garçon. Il a des relations avec la femme, il a des. Non. Je dis non. Allez-y jusqu'au bout. Vérifiez ce que vous avez à vérifier. Et puis ensuite, tirez vos conclusions. Mais ne restez pas dans votre coin. Et puis ne vous mettez pas à vous faire du mal. Ok? Donc, sachez choisir. Sachez prendre vos décisions. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc. Pour le dire, comme je le disais tout à l'heure, la dépression n'est pas un sacrilège, la dépression n'est pas une fatalité. C'est vrai, c'est un changement brutal de nos conditions de vie, de nos habitudes, de nos amis. C'est une personne vraiment atteinte de dépression a besoin vraiment de son entourage, a besoin de ses amis, a besoin de ses parents, a besoin de sa famille, a besoin d'aide. A besoin de personnes vraiment croyantes, des personnes qui peuvent l'aider, qui peuvent lui dire la vérité, à avancer et à trouver la solution à sa dépression. Ok? Et comme je l'ai dit, chez nous, c'est vrai, on a une façon de voir les choses. Mais chez le blanc, tu vas aller voir par exemple un psychothérapeute. Chez nous, il y a des psychothérapeutes. Ouais, tu vas aller voir un psychothérapeute, tu vas te mettre sur des médicaments tels que l'anxiolytique ou l'antidépresseur. En général, c'est l'antidépresseur qu'on connaît. Mais la grande consommation de ces médicaments aussi peut être un impact négatif pour toi. Et puis aussi, n'oublions pas. Ça, c'est quelque chose de primordial. N'oublions pas qu'une personne dépressive qui devient chronique est sujette à, pas à la mort, mais au suicide. Soit vous trouvez les gens pendus dans la maison, vous trouvez les gens qui se jettent du troisième étage. Sur ce, j'attends vos questions. Sur ce, c'était juste le résumé. J'attends vos questions. Ceux qui ont des questions à poser, j'attends les questions. Ok, Lukensi. Il y a Lukensi qui a posé la question. Est-ce que la dépression est synonyme de... La dépression est... Attends, je vois la question. Est-ce que la dépression est un synonyme de folie?
La dépression n'est pas automatiquement synonyme de folie. Selon le Larousse, hein, selon le dictionnaire, quand je fais mes recherches, la folie, c'est une démence. C'est un dérèglement mental. Ok? Ça, c'est la folie. Mais la dépression, c'est un changement d'humeur. On peut ne pas être content aujourd'hui. On peut être recroquevillé dans un coin aujourd'hui. Et puis demain, on voit la personne qui est heureuse, qui est, je ne peux pas dire, qui est à l'aise. Mais sachez que la limite entre la dépression et la folie n'est pas grande. Ok? Pourquoi? Quand la dépression devient chronique, quand la dépression devient chronique, parce que je l'ai dit, la dépression conduit à la folie, au suicide. Mais la dépression n'est pas la démence, comme le dit pour la folie. La folie, c'est la démence. C'est un dérèglement mental. C'est vrai. La dépression aussi, ce n'est pas un dérèglement mental, mais ça affecte le mental. Ça affecte les habitudes de la personne. Ça, c'est la dépression. Mais sachez que c'est pas loin. Donc, quelqu'un qui est en train d'être dépressif, il faut pouvoir l'encadrer, il faut pouvoir l'aider, pour ne pas que ça devienne chronique, pour qu'il tende vers la folie. Vous comprenez? Sinon, la dépression et la folie, c'est deux choses différentes. Et sachez aussi que, pour renchérir à votre interrogation, je ne sais pas si vous connaissez... qu'on appelle ça, la schizophrénie. Voilà, la schizophrénie, par exemple, c'est une maladie chronique qui est grave, qui est une maladie mentale chronique qui est grave, mais qui se contacte depuis l'adolescence. Donc, ça vous dit quoi? Quand vous êtes devant vos enfants et que vous faites de vos histoires devant vos enfants, l'enfant grandit avec ça et il développe quelque chose qu'on appelle la schizophrénie. Donc, il devient schizophrène. Et ça, c'est dangereux, c'est une autre forme de folie. Et aussi, sachez que j'ai parlé tout à l'heure de troubles bipolaires. Avant, on parlait de maniaco-dépressif. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de maniaco-dépressif. On parle de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire, c'est quoi? Le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. C'est une dépression récurrente qui tend vers la folie. Une autre question, j'ai vu quelqu'un qui a posé une question. Comment combattre la dépression? Pour combattre la dépression, c'est qui a posé la question? David Ouattara. David Ouattara, vous demandez comment combattre la dépression. Pour combattre la dépression, c'est pas compliqué. Il s'agit simplement de... C'est vrai, vous êtes dépressif, vous avez vécu une situation, vous avez vu quelque chose, parce que la dépression, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez vécu une situation, peut-être qu'un mariage, une relation amoureuse, vous avez perdu un enfant, un être cher, vous avez perdu peut-être votre mère, vous avez perdu quelqu'un, vraiment vous êtes dans un moment, vous êtes dépressif. Mais pour combattre cela, et soyez au contact des autres, ne vous isolez pas. Parler avec les autres, échanger avec quelqu'un. Je prends l'exemple aujourd'hui. Moi, j'ai une dame qui me suit, mais qu'on se connaît depuis longtemps, mais qui me suit, qui m'a appelé aujourd'hui. Elle pleurait. Et qu'est-ce qu'elle m'explique? Non, je suis avec un homme, j'ai tout fait, je me suis battu pour lui, je lui ai donné tout. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je lui ai donné un téléphone. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes utilisés un Android. Il m'a demandé mon téléphone, et lorsque je lui ai demandé de donner mon téléphone, il n'a pas mon téléphone, il l'a donné à sa copine. Je lui ai donné ma voiture, c'est-à-dire qu'elle donne sa voiture, elle lui a donné. Il prend la voiture, il va vivre avec sa copine. Vous savez, quand tu fais du crochet avec le bon cœur, ça finit par ressortir. Et qu'est-ce qui s'est passé?
elle voit plus le téléphone avec le monsieur, elle demande le monsieur, le téléphone est où? Le monsieur, il dit non, le téléphone est où? Elle récupère, le monsieur fait tout, il ramène le téléphone. Vous savez que le téléphone c'est Android. Donc, dès que vous êtes connecté, tous vos messages WhatsApp là, que ce soit WhatsApp, que ce soit tout ressort. Et c'est là que la femme va se rendre compte que son mari entretient une relation secondaire avec une fille avec laquelle même il a enceinté. Elle a fait fausse couche. Et même, ce qui est encore plus dangereux, ce qui est encore plus grave, c'est que les amis de son mari, là, ceux qui lui faisaient croire qu'elle était leur belle-sœur, elle préparait les reçoit, ce sont ceux-là qui étaient à la base. Parce que tous les messages, elle a vu tout, comme un film. Mais elle m'a appelé avec des larmes aux yeux. Mais si je n'étais pas moi-même motivateur, coach en développement personnel, sincèrement, j'allais avoir les larmes aux yeux. Parce que ce n'est pas le fait de la tromper là qui lui fait mal. Mais c'est le fait de savoir que, un, ses amis, ses gens, ceux qu'elle appelle mes frères, tout son investissement qu'elle a donné à l'homme, et aujourd'hui l'homme se retrouve dans une situation comme ça. Et il abandonne. Il découche. Mais vous voulez qu'une femme comme ça, elle ait quoi dans la tête? Si ce n'est pas tuer son mari ou bien aller tuer la femme, l'autre femme, vous voulez qu'elle ait quoi, dans la tête? Mais je te donne un conseil. Non, ferme le portable, ne l'ouvre plus. Va garder le portable quelque part. Prends 2 jours, 3 jours de congé. Va te reposer dans une zone. Donne-toi des priorités. Tes priorités là, c'est tes enfants. Parce que si tu n'es pas là demain, qui peut mieux s'occuper de tes enfants que toi? Personne. Il n'y a aucune femme qui peut s'occuper mieux des enfants que toi. Donc donne-toi des priorités. Lui, il t'a montré que tu n'es pas sa priorité. Donc toi, montre-lui que ta priorité a changé. Montre-lui que ta priorité. Pourquoi il dit, ne laissez pas les gens prendre des décisions à votre place. Prenez vos décisions. Et c'est en cela que je vous dis que ne laisse personne te dire ce que tu es capable de faire. C'est à toi de choisir et de vivre ta vie. La vie, c'est un choix. Et personne ne viendra choisir ton cœur. Ok? Donc, voilà un peu, j'ai essayé de donner le conseil. En tant que coach, je n'ai pas venu vous dire tout ce que j'ai à dire ici. Mais j'ai réussi à la calmer parce qu'elle était en pleurs, elle pleurait. Et je vous dis qu'au quotidien, je reçois les appels, j'essaie d'aider les gens, j'essaie d'amener les gens vraiment à comprendre que la vie n'est pas forcément ce que nous voulons, qu'elle soit. Voilà. Donc, qui a posé notre question encore? Daouda Bamba, il a demandé, Hello Yeboué, comment on détecte la dépression chez les enfants? Il vient de prendre d'abord Hello Yeboué, puis il vient venir sur Bamba, hein? Donc, Hello Yeboué, un enfant, on peut détecter la dépression chez un enfant. Il y a des enfants qui sont de nature calme. Il y a des enfants qui sont de nature, je ne sais pas comment dis-je, mais les enfants qui bougent, qui sont un peu, qui bougent un peu partout. Un enfant, par exemple, c'est plus facile de détecter la dépression chez un enfant qui bouge beaucoup, parce que vous le voyez, il devient calme, il parle plus à quelqu'un, il est dans son coin. Et puis un enfant, par exemple, qui est calme d'habitude, vous commencez à comprendre que il s'enfonce. C'est-à-dire que dans son état de calme, il s'enfonce sur le calme. Avant, il parlait à X. Avant, il parlait à sa maman, mais il ne parle plus à sa maman. Il ne parle plus à ses frères. Il ne parle plus à personne. C'est-à-dire que cet enfant est dans une période, dans une phase dépressive. Bamba, Daouda Bamba, qui me demande est-ce que la dépression peut se sentir sur nous, sur notre physique, notre mental, notre visage? Oui,
la dépression se sent. La dépression se sent. Si vous êtes un chef d'entreprise, si vous, vous êtes un chef d'entreprise et que vous travaillez avec des gens, le jour où vous voyez quelqu'un qui d'habitude est jovial et que vous voyez triste, du coup, vous savez que vous devez vous dire que cette personne-là est en train de passer à la phase de dépression. Donc sur le visage, vous allez sentir. Et comme la dépression a un effet mental, vous allez forcément sentir qu'il y a une baisse de productivité au niveau du boulot de cette personne-là. Tout à l'heure, je l'ai dit. Une personne dépressive, sur le plan professionnel, est moins productive qu'une personne qui n'est pas dépressive. Donc, ça va se sentir dans le travail. Et du coup, physiquement, ça va se sentir parce que vous allez sentir que la personne est démotivée. Même quand elle va faire du sport, la personne ne pourra pas faire du sport. Alors que je l'ai dit, le sport, c'est un des premiers moyens pour combattre la dépression. La pratique du sport, c'est l'un des premiers moyens pour combattre la dépression. Tous ceux qui font le sport avec un drôle de motivation, je passe au passage ici, salut la team, un drôle de motivation, qui a fait un travail exceptionnel ce samedi. Mais ceux qui vous avez écouté les interventions des intervenants pendant le sport, après le sport, c'est des gens, peut-être qui étaient venus avec des appréhensions pour de nouvelles personnes, même les anciennes personnes. Mais les gens, quand ils viennent le samedi, ils sont heureux. Voilà pourquoi moi je dis les samedis, ce sont les jours où je suis heureux. Pourquoi? Parce que je vois du monde, je cause avec des gens, je parle avec des gens, je discute avec des gens, et puis je m'amuse au maximum parce que toute la semaine, j'ai été dans la pression parce que je veux que ma mission réussisse. Je veux donner du baume à ma mission. Et ça, ça se vit à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de l'exposer. Mais quand le samedi arrive, sincèrement, je veux pas d'une boîte de nuit. Non, on n'a pas besoin d'une boîte de nuit pour être heureux. Mais il y a certaines personnes, oui, qui vont dans les boîtes de nuit pour être heureux. Mais ça, je n'en souviens pas. Mais moi, je n'ai pas d'une boîte de nuit pour être heureux. Mais déjà, avec le sport, la partie du sport, je me sens heureux. C'est pour ça, en même temps, que je profite pour vous inviter. Tous ceux qui sont dans ces états de dépression, tous ceux qui sont en train de devenir dépressifs, venez à l'Arena Football Club. Venez faire du fitness. C'est vrai, le fitness, ce n'est pas une culture africaine. Ça ne fait pas de notre partie, pas de notre paradigme. Ça fait partie, c'est vrai, ça nous vient des Américains. Mais aujourd'hui, le fitness est pratiqué partout dans le monde. Parce que tout le monde a compris que le fitness, c'est quelque chose qui permet au corps et au mental d'être plus développé, d'être vraiment, vous êtes open, vous êtes propre, vous êtes clean. Et quand vous sortez de là, après le repos, vous êtes un homme qui a l'esprit zen, l'esprit ouvert. Une autre question encore, je vais voir si y a une autre question encore. Est-ce qu'il y a-t-il une autre question? Y a-t-il une autre question? Après la question de Bamba. Elon Yobo demande encore. Mais pour les enfants aussi, c'est le sport aussi. Oui, le sport n'a pas d'âge. Un enfant qui va au sport, il se développe mentalement. Il se développe physiquement. Il apprend à combattre les vicissitudes de la vie. Donc, envoyez vos enfants au sport. Amenez vos enfants à faire du sport. Et vous allez voir que les résultats scolaires de vos enfants vont changer. Votre enfant est calme. Votre enfant est dans son coin. Faites-le sortir, envoyez-le à Duro Motivation, à l'Arena Football Club. Vous allez voir que vous allez avoir un autre enfant qui a une autre mentalité parce que votre enfant va changer de mentalité. Il sera plus éveillé
et il sera mentalement plus intelligent que ses camarades. J'ai la dernière fois qu'il a développé le sport intelligent. Le sport permet d'avoir un esprit vif. Le sport permet d'avoir un physique vif. Et votre enfant, étant au sport, il a une rapidité de réflexion qui va dépasser celle de ses amis, de la classe. Oui, je vous le dis. Et même si votre enfant n'est pas intelligent, ou bien est moins intelligent, ou bien n'est pas premier de la classe comme les autres enfants, vous allez voir qu'avec la pratique du sport, votre enfant deviendra ou sera parmi les meilleurs. Oui, je le dis, je le confirme parce que je vis ça aussi. Je vis ça. Donc, vivez ça aussi, vous allez voir. Essayez l'expérience. Pour tous ceux qui ne savent pas, essayez l'expérience. Mais je vous conseille d'envoyer vos enfants au fitness. Je ne vous ai pas dit d'envoyer vos enfants à soulever les fers, qu'on appelle ça les haltères. Non, je n'ai pas dit ça. Envoyez vos enfants à aller faire du sport tel que le fitness. Pour développer le mental. Pour danser. Pour être heureux. Un esprit sain dans un corps sain. Oui, avec le fitness, c'est un esprit sain dans un corps sain. Tous ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris de la vie. Oui, je vous le dis, ils n'ont rien compris de la vie. Le sport soigne. Le fitness, là, on ne court pas 10 km. On ne court pas 20 km. Mais quand vous finissez votre fitness, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Le simple fait d'être heureux dans la tête, là, ça vous soigne. Voilà pourquoi on dit le sport soigne. Les gens qui sont couchés chez eux à la maison, ne veulent pas fournir d'efforts. Ils ont peur. Ils ont peur de faire souffrir leur corps. Il y en a qui me regardent actuellement qui sont couchés à la maison. Mais ils ont peur de quoi? Vous avez peur de faire souffrir votre corps? Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Dieu. Donc, mettez votre corps à l'épreuve. Acceptez la souffrance. Qu'elle soit minime. Mais acceptez. Parce que c'est de là que viendra votre bonheur. Si vous acceptez que votre corps souffre, il y a un adage qui dit, celui qui aime la vie facile connaîtra une vie difficile, vivra difficilement. Mais celui qui accepte la difficulté aujourd'hui vivra facilement demain. Donc si vous voulez vivre facilement demain, commencez déjà à vous préparer à vivre la difficulté. Votre confort, c'est vrai, c'est votre confort. Je suis couché chez moi à la maison, j'ai des cadres de raison, j'ai regardé. Oui, ça c'est. Mais il n'y a pas quelqu'un parmi vous ici, il y a combien parmi vous qui prennent un livre pour lire? Oui, parce que quand on parle de l'esprit sain et inconscient, ce n'est pas. Tout ce que je devrais baisser comme thématique là, je ne le tire pas de d'ailleurs, c'est dans mes lectures. Parce que je me donne un deadline. Je me donne minimum 30 minutes à 1 heure de lecture par jour. Calculez 30 minutes à 1 heure de lecture par jour. Je lis très vite aussi. Le jour où vous venez dans mon bureau, je vais vous montrer ma bibliothèque. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement le sport que je fais, mais je lis beaucoup. Parce que la lecture, c'est l'enseignement. Autant on nourrit l'organisme, autant il faut nourrir l'esprit. Il y a un chef qui me disait, évitez de mourir bête. Oui, évitez de mourir bête. Et la meilleure façon de mourir bête, de mourir intelligent, c'est de lire. C'est de se documenter. Parce que demain, vous ne connaissez pas demain. Vous connaissez peut-être aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas demain. Mais entraînez-vous. Acceptez la souffrance. Lisez beaucoup. Ça peut être des choses banales, mais lisez. Soyez curieux. Le diable se trouve dans le détail. Tout ce que les gens négligent là, vous ou t'intéressez, voir ça. C'est important. Ça serait important pour vous. Bon, voici une autre question encore. Une autre question. Il n'y a plus de questions. Je vais simplement tirer la conclusion.
vu qu'il n'y a plus de questions, je vais vous dire, chers internautes, chers followers, chers amoureux de la team El Duro Motivation, et au passage, je salue toute la team El Duro Motivation, en passant par, par Didier, dit Timoko Fofana, par celle qu'on appelle Maman Dominique, Maman Yaku, celle qu'on appelle Dorian, le Kensi, Luc de la Joie, Yannick, le Caraïbien, Capi Jojo, Dazi, c'est la star, hein, il vient d'être papa, je lui souhaite félicitations. Et puis on a Alasco, le Powerful, on a Sila, qui est toujours en train de nous filmer, on a Aimé, on a rien, on a vraiment du monde. Ceux dont je n'ai pas cité les noms, c'est pas bien grave. Mais sachez que je suis avec vous. Et je sais que vous êtes avec moi. On va travailler. On va se projeter sur les jours à venir, les années à venir. Mais comme je l'ai dit, sachez que vous serez combattus. Oui, mais ne restez pas dépressif. Ne restez pas pensif. De ce combat-là, il faudrait que vous sortiez vivant. Il faudrait que vous sortiez vainqueur. Et je vous le dis, vous serez vainqueur. Parce que moi, je suis vainqueur. Je suis né pour vaincre. Et vous, vous êtes né pour vaincre. Et personne ne pourra rien contre vous. Parce que vous êtes dans la vérité. Vous enseignez le bien-être aux autres. Ok? Mais si ça ne plaît pas à quelqu'un, ce n'est pas grave. Ne vous occupez pas de quand dira-t-on. Oui, parce que c'est quand dira-t-on hein, qui nous mène dans hein, cette phase de dépression. Hein. Non, si j'ai fait ça, je viens un peu revenir sur l'accident de Capi Jojo, mais ça l'a traumatisé. Parce qu'il s'est dit quoi, non, il y a des gens qui disent, mais jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils reprennent. Mais Capi Jojo, faut dormir tranquille, dis-toi que le douleur est là. Dis-toi que le douleur est là, c'est vrai, tu as fait un accident. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais c'est de cet accident-là, tu es sorti grandi. Tu as compris certaines choses. Et ce n'est pas encore fini. Je tiens aussi à dire merci et à encourager Ivoire, Miss Culture Ivoire, Ivoire Culture Miss, voilà. Je tiens à leur dire merci. Je tiens pour leur collaboration avec la team El Duro Motivation. C'est une collaboration qui vient de commencer. Le week-end, ils étaient à leur première épreuve qui est culturelle, parce que nous avons accepté ça avec une motivation, parce que c'est la culture ivoirienne, c'est la culture, nos traditions qui sont mises en exergue, qui sont mises au devant des choses. Mais tout ce que je peux dire à toutes ces filles-là, c'est de rester confiante, c'est de se faire confiance, c'est de donner le meilleur d'elle-même, c'est de ne pas avoir peur. Et à la team El Duro Motivation, je vous dis que on est ensemble, on continue le chemin. Des gens viendront vous dire ce qu'ils veulent, des gens vous dilipenderont, des gens vous insulteront, des gens vous manipuleront. Mais je vous dis une chose, mais qu'en dira-t-on? Les critiques, ça fait partie de la vie. Oui, les critiques, c'est pas de la vie. Moi, qui suis devant vous, combien de fois on ne m'a pas critiqué? Et peut-être même pendant que je suis en train de vous parler, on me critique. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et il faut accepter ça comme ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne sont pas Dieu. Oui, ils ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui détient la vie. C'est Dieu qui détient la mort. Ne vous laissez pas déstabiliser. Maintenez le cap. Et pourquoi pas aller plus haut. Parce que vous aurez El Duro souvent à vos côtés. Souvent vous n'aurez pas El Duro à vos côtés. Mais l'activité va continuer. Et c'est ce que vous m'avez démontré. Et je vous dis, et je tiens à vous féliciter pour ça. Parce que ce fut une réussite. Et j'ai tellement peiné de ne pas être là. Mais sachez que la vie c'est un combat.
et le combat de la vie. Dès que tu nais, le combat commence. Parce que d'abord, à la naissance, il y a la survie. Et quand tu survis, il faut te dire qu'il y a un lendemain. Et chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle chance. Et cette chance-là, vous devez profiter de cette chance-là. Donc sur ce, je tiens à vous dire merci à tous ceux qui m'ont écouté ce soir, à tous ceux qui ont été présents ce soir. Je tiens à vous dire merci. Je tiens à vous encourager à ne jamais abandonner. Les Américains disent « Don't quit, don't give up, don't stop. » Ok? « Don't quit, don't give up, don't stop. » Avancez, n'abandonnez jamais. Les Américains encore nous disent « If you don't walk, you don't eat. If you don't ground, you don't shine. » Ça vous dit quoi? Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne bosses pas, tu ne grilles pas, tu ne brilleras pas. Si tu veux briller, il faut travailler. Il faut être positif dans la tête. Les gens viendront vous dire n'importe quoi. Les gens viendront vous distraire, vous éloigner de votre objectif. Mais ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas éloigner de votre objectif. Soyez concentrés. Restez concentrés. Restez des gens forts. Restez des femmes fortes. Restez des enfants forts. Et c'est ensemble que Enduro Motivation ira de l'avant. Sur ce, on va écouter une petite musique de Enduro Motivation avant de partir. Sachez que tous ceux qui veulent chaque dimanche là, vous êtes bénis, hein? Vous êtes des gens bénis. Et les parents que je vous parle, il pleut. Donc vous êtes des gens bénis. Et il y a toujours motivation à bénir. Donc on est ensemble. Donc c'est juste une minute. On est ensemble, je vous adore. Mamadou Traoré, je vous adore. Mamadou Touré Mamadou. Quand on est ensemble jusqu'à la fin. Je veux dire, Touré Mamadou. On est ensemble jusqu'à la gare. Donc il faut être prêt dans la tête. Si tu n'es pas prêt dans la tête, tu l'essayes. Mais avec un boulot, c'est la force du mental. Ouais, c'est la force du mental. Ils vont te combattre. Oui, tu seras combattu, mais tu vas gagner. Mais ton cœur propre. Ouais, le cœur propre. Quand ton cœur propre, tu gagnes toujours. Je tiens aussi à remercier Sila Amara, ouais, vraiment qui est au four au moulin. Mais tu vas gagner, mon frère, parce que ton cœur est blanc. Yakite, tu vas gagner aussi, parce que ton cœur est blanc. Et tous ceux qui ont le cœur blanc, sachez que vous allez grandir. Et avec la team Enduro Motivation, on ne perd jamais. On gagne. On va tout devant. Koubala,
tu as fait un sacerdoce. Profana Tiroko, tu as fait un sacerdoce. Dis sorcier, mais tu as l'autre. Tant que tu vas résister aux décharges de l'ennemi, tant que tu vas leur montrer que tu es plus fort que mentalement, tu vas aller de l'avant. Dazi, Mariama, je ne vais pas citer tout le monde, mais sachez que vous êtes des vainqueurs. Et à la team de la motivation, on gagne. Nous sommes des gagneurs. Voilà. Et c'est ça l'important. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est tout. Un esprit sain. Donc, on est ensemble. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir en musique. Bien sûr, parce qu'avec la douleur, c'est toujours la joie. Donc, je vais vous dire au revoir. Mais n'oubliez pas que le dimanche prochain, nous avons une autre thématique. Comment ? Si vous voulez que vous donne le dimanche prochain, répondez-moi. Comment voulez-vous donner une surprise ? Assina Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour tout ce que tu fais. Pour moi et pour la Côte d'Ivoire. Assina Suleiman, merci. Oui, quel est le sujet que vous voulez que Elduro entame le dimanche prochain? Donnez-moi un sujet. Donnez-moi un sujet. Vous voulez que Elduro parle de quoi le dimanche prochain? Dites-moi. Laetitia Yuku Amourin. Bonsoir à toi. Et sache que la pratique du sport va t'aider. La vie est ainsi faite. On va traverser des chemins tortueux. Mais c'est la fin du compte. Voilà. Aide des priorités. Et ta priorité, c'est toi et tes enfants. Et ta famille. Donc, avec des doubles motivations, on est ensemble. Maman Domi, Dieu est avec toi. On est ensemble. Donc, je vous attends. Donnez-moi un sujet. Comment vous me laissez le choix? Vous me laissez le choix? Donc lundi, demain matin, 6h30, il y a un direct. Je vous ai demandé le sujet le dimanche prochain. Vous ne m'avez pas donné. Moi, j'ai trouvé un sujet. Et puis, à partir de jeudi, je vais vous donner le sujet et vous préparer. Donc sur ce, ciao, ciao. God bless you.